السلام عليكم أحبائي طلاب الصف الخامس، تحياتي لكم، ربي يحميكم. Aujourd'hui nous allons parler des fractions équivalentes. اليوم بدنا نحكي عن الكسور المتكافئة. L'objectif à la fin de cette présentation من بعد هيدا العرض je serai capable de لازم بإذن الله كون قادر على trouver des fractions équivalentes. كيف منلاقي الكسور المتكافئة وطبعا كيف منشتغل فيها. On commence par cette activité. Si je vous dis par exemple j'ai une pizza, إذا افترضنا أنه هيدا الشكل هو pizza وهون الجزء الملون هو الجزء اللي أكلناه. La fraction qui représente la partie colorée c'est 1 sur 2. سبق وتعرفنا على هيدا الشيء أنا النوميراتور دو الدنوميناتور. إذا قسمنا هيدي البيتزا بشكل آخر 4 بارتي alors la fraction qui représente la partie colorée c'est 2 sur 4 دو النوميراتور 4 لو دنوميناتور. مرة ثالثة قسمناها en 8 بارتي alors la fraction qui représente la partie colorée les parties colorées c'est 4 sur 8. 4 le numérateur, 8 le dénominateur. شو بنلاحظ بهالثلاث حالات؟ انه كل مرة نحن عم ناكل نص البيتزا وعم يبقى النص الثاني الابيض ما اكلناه. فإذا ces trois fractions sont des fractions équivalentes لأنه بيعبروا عن نفس القيمة. On dit que les fractions équivalentes sont des fractions qui valent la même chose. هن الكسور يلي بيعبروا عن نفس القيمة اللي هي هون نص البيتزا. Alors, la fraction 1 sur 2 et 2 sur 4 et 4 sur 8 sont des fractions équivalentes. كيف فينا ننتقل من الفراكسيون 1 sur 2 ل 2 sur 4؟ Si je multiplie le numérateur par 2, on obtient 2. Et si je multiplie le numérateur, le dénominateur par 2, j'obtiens 4. Alors, 1 sur 2 et 2 sur 4 sont deux fractions équivalentes. Le numérateur et le dénominateur ont été multipliés par le même nombre, oui, 2. Par exemple, لما النوميراتور والدنوميناتور نضربهم بنفس العدد رح نحصل مباشرة على فراكسيون إكيفالونت. Aussi, si je multiplie 2 par 2, on obtient 4. Et si je multiplie 4 par 2, on obtient 8. 2 sur 4 et 4 sur 8 sont deux fractions équivalentes. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur ont été multipliés par le même nombre de. Alors, 1 sur 2, 2 sur 4 et 4 sur 8 sont des fractions équivalentes. Et aussi pour 1 sur 2 et 4 sur 8, si je multiplie 1 par 4, on obtient 4. Et si je multiplie 2 par 4, on obtient 8. Ces deux fractions sont équivalentes. Le numérateur et le dénominateur ont été multipliés par le même nombre qui est 4. Mais sur هذا الشكل, la fraction qui représente la partie coloriée, c'est 1 sur 3. Mais 1 sur 3, c'est la même chose que 2 sur 6, et 3 sur 9, et 4 sur 12, et 5 sur 15, et 6 sur 18. Parce que 1 fois 2, c'est 2, et 3 fois 2, 6. 1 fois 3, 3. 3 fois 3, 9. 1 fois 4, 4. 3 fois 4, 12. 1 fois 5, 5. 3 fois 5, 15. 1 fois 6, 6. Et 3 fois 6, 18. Autre exemple, la fraction qui représente la partie colorée, c'est 1 sur 5. 1 sur 5, c'est la même chose que 2 sur 10, et 3 sur 15, et 4 sur 20. Parce que 1 fois 2, c'est 2, 5 fois 2, 10, 1 fois 3, et 5 fois 3, 1 fois 4, et 5 fois 4, c'est 20. Ces quatre fractions sont des fractions équivalentes. Application. La fraction 5 sur 8
est équivalente à 10 sur 16 parce que le numérateur et le dénominateur doivent être multipliés par, ont été multipliés par le même nombre de. Et aussi 10 sur 16 et 5 sur 8. Si je divise 10 par 2 et 16 par 2, on obtient 5 sur 8. Alors, 10 sur 16 et 5 sur 8 sont deux fractions équivalentes. Autre exemple, la fraction 20 sur 6. Si je multiplie le numérateur par 3 et le dénominateur par 3, on obtient 20 fois 3, 60, 6 fois 3, 18. Et aussi, si je divise le numérateur par 3 et le dénominateur par 3, j'obtiens 60 divisé par 3, 20, et 18 divisé par 3, 6. Alors, ces deux fractions sont deux fractions équivalentes. Exercice 1. بتمنى هون بعد ما نحط الدوني للإكزرسيس تكبسوا باوز على الفيديو تحلوا الإكزرسيس لوحد تكونوا ترجعوا تشوفوا سولوشن. تروف دي فراكسيون إكيفالنت منا نلاقي كسور متكافية. 3 sur 4, la fraction 3 sur 4, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Alors, on obtient 6 sur 8. On dit que 3 sur 4 et 6 sur 8 sont deux fractions équivalentes. Pourquoi? Les numérateur ou dénominateur, on obtient une multiplication par un même facteur, il y a le 2. Et aussi, 5 sur 6. 5 fois 4, c'est 20. 6 fois 4, 24. Ces deux fractions sont des fractions équivalentes. Le numérateur, 5 et le dénominateur 6, darabnehun tnaynetun bel 4, même facteur. Aussi 7 fois 3, 21 et 4 fois 3, 12. 11 fois 5, 55 et 10 fois 5, 50. Ces deux fractions, 11 sur 10 et 55 sur 50, sont des fractions équivalentes. Le annuamelen ou multiplication, la numérateur ou dénominateur par le même facteur 5. Exercice 2. Complète. Akmel. Kanan betmanna honi. T'hotto pause. T'hallo l'exercice la wahatkun. Wa terja otchoukou solution. Complète. 3 sur 4 est équivalente à. Haydi le fraction. Kif manan arfen numérateur la. Relation entre 4 et 40, c'est de multiplier 4 par 10. L'alaya ben el 4 ou el 40, en el 4 nodruba bi 10. Alors, on doit multiplier kamer mana nodruba numérateur bi 10, l'anno ces deux fractions sont équivalentes. Alors, fois 10, le numérateur et le dénominateur, 3 fois 10, c'est 30. Ces deux fractions sont équivalentes. 15 sur 18 est équivalente à cette fraction. 18 et 6, la relation entre 18 et 6, c'est de diviser 18 par 3. 18 divisé par 3, 6, et aussi 15 divisé par 3, c'est 5. 10 sur 7 est équivalente à 50 sur, quand même, maintenant, là, il y a un dénominateur, je vais aller à 10 ou 50, maintenant, nous trouvons 10, puis 5, quand même, dénominateur 7, maintenant, nous trouvons 5, c'est 35. 8 sur 12, 8, la relation entre 8 et 4, c'est de diviser 8 par 2, alors, on divise le dénominateur par 2, on obtient 6, les deux fractions, 8 sur 12, et 4 sur 6 sont deux fractions équivalentes. Merci beaucoup pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.